Madame Lagodine de cette belle et minutieuse communication sur le peintre comme créateur de l'espace-temps, comme le grand producteur de rencontres, sur le corps et comme une respiration qui danse, hein, et sur le souffle comme lieu commun entre l'individu et l'univers. Hein. Ça me rappelait une vieille formule de Hippocrate, justement, hein, panta sum noia, tout conspire, tout respire avec tout. Au fond, c'était le sujet profond de cette intervention. Alors, je vais passer la parole à Pascal Criton, compositrice, mais qui s'est par ailleurs intéressée à l'ethnomusicologie, qui a mené des recherches jusqu'au doctorat d'État, hein, sur le continuum sonore et la microtonalité, et qui a donc été à ce titre sollicité dans bien des institutions pour des concerts, pour des conférences comme aujourd'hui. Et sans plus attendre, puisque nous sommes encore en retard, je lui passe la parole pour cette communication intitulée « L'oreille du puits, il écoute autrement ». Oui, j'ajouterais, puisqu'on est ici dans un endroit où on évoque Deleuze, que j'ai travaillé pratiquement 15 ans avec Deleuze, et que je ne suis pas philosophe. Donc aujourd'hui, je vous parlerai de mes travaux et en rapport avec, bien sûr, certains aspects liés au corps. Et tout d'abord, je remercie vivement José Gilles pour son invitation à ces rencontres d'esthétique, organisées aussi, je remercie, par l'Institut de philosophie du langage de l'Université Nouvelle de Lisbonne et l'Institut français du Portugal. Voilà, le sujet de ces rencontres, quel corps dans l'art, donc m'incite à vous présenter aujourd'hui quelques réflexions autour de travaux sur lesquels je travaille en ce moment. Donc je ne vais pas faire de généralité, sauf celle où j'aurais besoin pour préciser le sujet. Comme le titre de cette présentation l'indique, j'orienterai mes propos sur l'écoute sonore et musicale, plus particulièrement du point de vue de la subjectivité et du champ de la perception. Donc je le ferai en tant que musicienne, avec mon expérience de la composition musicale, qui est aussi expérimentale, qui croise de nombreux domaines, de l'expérimentation technique à l'improvisation, des arts de la scène, à ma rencontre avec la philosophie et tout ce dont la musique peut se nourrir. Alors j'espère que la technique ne va pas trop me faire faux bond, parce que il y a une guerre entre Microsoft et Apple, etc. Ce qui fait que je n'ai pas mon matériel, je ne sais même pas comment lancer les premières images. Donc, pour situer dans quel champ je vais parler, je rappellerai combien les ruptures conceptuelles opérées par la musique contemporaine au cours des 5 dernières décennies, mettons pour donner une proportion, avec Cage, Xenakis, Ligeti, Laronman, Griset, de très nombreux musiciens extrêmement inventifs qui ont renouvelé des techniques instrumentales à l'électroacoustique, qui ont renouvelé l'écoute et la perception, et par là, bien sûr, renouvelé les fonctions musicales qui étaient organisées autour de la consonance et de la dissonance durant l'époque classique, et qui reposaient sur l'équilibre du couple tension-détente. Ce couple tension-détente étant attendu dans une idée d'être résorbé. Cet équilibre a fait place à une production d'espace-temps variable, une variation continue reposant sur des forces non stabilisées, impliquant donc de nouvelles dispositions du corps, de nouvelles subjectivations, façon de se mettre à l'écoute,
ce que Deleuze a nommé dans ses textes dédiés à la musique les individuations paradoxales de la musique. La musique étant, le son étant immatériel, non matérialisé autrement que dans des coordonnées qui impliquent des gestes, qui impliquent un corps à chaque fois. À cela, j'ajouterai les inventions techniques du XXe siècle qui ont bouleversé notre rapport au son et à l'espace-temps. De l'invention du téléphone et de la radio, tout bêtement, mais aussi à l'enregistrement du son et à sa diffusion sur haut-parleur, alors qu'il peut être conservé en décalage temporel, en tant qu'archive, de sa gravure mécanique à sa mémorisation magnétique, puis maintenant sa numérisation et aujourd'hui sa transmission télématique. Toutes ces choses que l'on vit quotidiennement à toute allure, qui ont modifié nos grands-parents, nos parents, et modifié nos petits-enfants, etc., sont des choses qui nous accompagnent forcément et transforment, bien sûr, nos habitudes et nos façons d'être par rapport au son, nous marquent. Alors, il y a aussi quelque chose, je crois, avec le mot « écoute », qui, je crois, en portugais, à une petite différence de l'emploi qu'on en fait en français et qui fait l'objet d'une petite note, José, dans l'article traduit que je t'ai passé. Est-ce que tu pourrais nous dire, en fait, parce que je ne saurais pas le dire moi, en portugais, étant donné que j'ai beaucoup employé ce mot « écoute », qu'on a déjà d'ailleurs abordé, je crois qu'il y a une petite spécification que tu peux faire peut-être sur le mot « écoute ». J'avance en attendant. Enfin, ces transformations techniques, sociétales, font que plus personne ne s'étonnera aujourd'hui de recevoir sur la plage des nouvelles en direct ou un appel téléphonique venant de l'autre bout du monde. Et donc, à l'unité de l'espace-temps, qui fut longtemps une règle d'or de la représentation du visible et de l'audible, s'est substituée une multiplicité de temps et d'espace, et bien sûr la question esthétique subjectivante que leur imbrication simultanée sensibilise. Oui. Eu leio a nota. Traduzimos aqui o termo entendre, em francês, escutar, no caso de uma escuta musical, citação, eu escuto uma música, j'entends une musique, ora por entender, ora por escutar, visto não haver um termo preciso para a tradução em português, um falso cognato. Ça problématise quelque chose. Voilà. Donc à mi-chemin entre musique, perception du temps, entre matérialité, corps et sensorialité, je voudrais donc évoquer les territoires d'une perception multiple, simultanée, ubiquiste. Comment l'écoute s'agence-t-elle? Quel est ce paysage pluriel, à la fois interne et externe, du dehors et du dedans, du présent et de l'absent, que nous constituons à chaque instant dans nos relations aux signaux sonores, à tous les signaux sonores, qu'on les voit pas, qui reviennent du passé, qui viennent, que ce soit des informations en direct, que l'on ait une guerre ou d'une joie, pourquoi pas. Voilà. Donc, alors je vais avoir l'art de manier les petites flèches, hein, c'est lesquelles. Hop! Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Ah ouais, manifestement. Je n'avais pas arrêté le tour. C'est-à-dire que je dois me servir de ça. Non. Ah d'accord. Donc voilà, l'expérience de l'écoute m'a toujours intéressée comme réalité physique, mais aussi dans sa dimension psychique, comme mise en scène de représentation et de sensations à la fois réelles et en rapport avec la fiction, au moins. D'ailleurs, écrire de la musique,
c'est déjà peut-être avoir une écoute des relations des signaux sonores. C'est déjà une disposition curieuse et élaborative qui repose sur une attention informelle, voire même pas insu, que l'on ne suit pas, que l'on ne contrôle pas forcément. Je considère l'écoute comme une production, voilà, comme une élaboration, comme un processus en fait subjectif et qui nous concerne tous. L'écoute peut relever de connaissances et d'expériences diverses, de l'écoute quotidienne, immédiate, à une pratique expérimentale de l'écoute. Elle peut aussi relever de l'information, voire être codée. Ces écoutes ne s'excluent pas, mais s'entrecroisent et interagissent. Et d'ailleurs, le terme d'écoute est sans doute trop général, trop large. J'ai déjà besoin d'en cerner quelques aspects, quelques modalités. Je remarquerai déjà, sans aucune intention typologique, quelques tendances qu'il pourrait être bien de distinguer maintenant. Par exemple, dans l'ordre d'une pratique immédiate de l'écoute, non élaborée a priori, je distinguerai par exemple une écoute que j'appellerais objectivée, à ne pas confondre avec une écoute objective. Je parle d'une écoute qui, par exemple, opère un zoom, un focus au sein d'un ensemble de signaux. C'est une action très différente, par exemple, d'une écoute flottante qui entretient un ensemble de variables, une nébuleuse comme ça dans laquelle se jouent des associations libres, mouvantes, incertaines. Entre un espace, entre un temps, pardon, flottant et un temps objectivé, on comprend déjà bien que le champ de l'écoute s'appréhende, que le point d'observation se déplace, que la pratique de l'écoute est active, et combien la dimension même qui se voudrait informative, réaliste, s'élabore nécessairement avec un écart dans lequel travaille le couple émetteur-écoutant. Cela pose déjà la question d'un point d'observation relatif et d'un processus subjectif de l'écoute. Où et comment place-t-on son écoute? Alors ça, ce sont des petites images qui n'ont rien à voir, c'est juste pour rêvasser. Et du côté de ce qui soi-disant se donne à entendre, que se passe-t-il? Par habitude, nous évoquons le signal sonore comme se rapportant à quelque chose de connu, un instrument, une voix, des bruits. Nous identifions les sons concrets de la vie réelle parce qu'ils nous rappellent quelque chose de repérable, le son des cloches, le bruit du train. Pourtant, une multitude de variables entrent en action pour constituer le son qui me parvient de ce train-là, suivant qu'il est lent ou rapide, entendu de l'intérieur ou de l'extérieur. Chaque signal sonore est un événement spécifique, produit de circonstances et de détermination qui se déploie dans un espace et un temps particulier. Les signaux sonores sont donc indissociables des conditions qui les provoquent, qui les entretiennent. Force, tension, énergie, matériaux, structure, ainsi que le milieu physique environnant dans lequel ils sont émis et se propagent, extérieur, intérieur, suivant des surfaces plus ou moins denses, lisses ou poreuses, par lesquelles ils sont réfléchis ou absorbés. La multiplicité acoustique, telle que je voudrais la proposer ici, intégrerait donc l'ensemble des facteurs qui façonnent le son dans l'acception ouverte de tout ce qui est audible, avant même la musique. Ces qualités et dimensions physiques au sein desquelles les signaux sonores se propagent naturellement ou artificiellement, avec des machines, toujours provoquées finalement, sont en interaction constante avec les opérations processuelles et subjectives de l'écoute. Et l'oreille, plus ou moins avertie, se déplace ou fatiguée, se déplace et se positionne, pratique activement certaines opérations elles-mêmes, telles que extraire, associer, dissocier, constituer des plans, naviguer d'un plan à un autre, fouiller la nébuleuse, bruiter, s'infiltrer dans la profondeur des plans, en apprécier la simultanéité, la découper, enfin toute cette mobilité de l'écoute que j'appellerais l'ubiquité de l'oreille. Voilà, l'oreille ubiquiste qui se déplace.
et comme le dirait Deleuze, l'oreille impensable, celle qui nous intéresse pour la composition, mais aussi pour l'intensité d'une écoute émergente, se construit avec l'élaboration même de nos relations aux signes, dans le processus précisément qui les rend audibles. C'est-à-dire qu'à la différence, disons, d'une position sujet-objet qui penserait que j'entends le verre que je pose, je pourrais dire bien autre chose. J'entends la table sur laquelle je pose le verre et j'entends la résonance de du socle sur lequel la table est posée, et j'entends la salle dans laquelle je suis et j'entends peut-être ce que je ne vois pas. Car paradoxalement, l'oreille expérimente une spatialité très différente de l'œil, même si l'œil vient souvent confirmer ce qui est entendu. La spatialité auditive ne relève pas d'un plan frontal, c'est un espace pluridimensionnel, capable d'associer simultanément le plus proche au plus lointain, le dehors et le dedans, le dessus et le dessous. La nature propagative et dynamique du son nous permet cela, de déconstruire, de disloquer l'espace, de le recomposer, de se projeter dans l'imbrication d'un espace membrane aux densités multiples, réversibles, extensibles, parcourables de l'intérieur à l'extérieur. L'écoute de ce temps-là, fugace, multiple, celui de l'observation des choses en train de se faire, et peut-être celui qui hante la musique. Comme je l'ai dit, le son est propagation, transmission, c'est une énergie non délimitée dans l'espace qui se répand et s'installe de façon éphémère dans les choses, les objets, les formes qui l'entourent, l'accueillent et l'absorbent. Il passe et se ralentit dans les densités plus ou moins propices, accéléré dans l'eau, courant le long de la corde tendue, réverbéré par les surfaces lisses, résonnant dans les bois et les métaux, capté dans les caisses closes, tournoyant dans les puits et les tuyaux, retenu dans les fibres. Voilà, le son est une énergie interdépendante, une pure composition mobile, avec laquelle nous-mêmes entrons dans des modalités temporelles, simultanées, couplées et réciproques. Car le son est toujours lié à une pluralité emboîtée, d'émetteurs, capteurs, récepteurs, filtres, existe-t-il en lui-même? Il n'est que condition de production, événement, saisi selon un point d'écoute forcément partiel, local, par un dispositif qui est lui-même nécessairement un filtre, l'appareil auditif, l'appareil de transmission qui l'a amené jusqu'au tympan, ou ailleurs, ou jusqu'au, on va le voir tout à l'heure, et l'appareil de diffusion. L'observation des choses en train de se faire se double d'une activité sensorielle et d'une scène. Une scène, je pense, qui associe le corps, l'œil, la peau, les os, le mouvement, l'impulsion kinesthésique et les vitesses cérébrales de projection. Ces termes sont un peu abstraits, mais peut-être que, avec ce que je vous donnerai à voir et entendre tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi je me pose ces questions. Voilà, vu que je travaille en ce moment avec des transmissions qui passent par les oreilles, mais d'autres qui ne passent pas par l'oreille, voilà, qui passent par les os, qui passent par la conduction osseuse par exemple, et qui révèlent d'autres modalités de réceptivité du vibratoire. Oui, j'avais préparé un peu comme ça des petites transitions, disons, entre ce monde de l'acoustique, comme j'ai essayé de vous le décrire, et puis peut-être nous, notre façon de jouer avec ça, d'avoir une relation d'échange, en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec le son? Est-ce qu'on fait que dire « Ah oui, je vous ai bien compris, ah oui, j'ai bien entendu », ou bien est-ce qu'il se passe d'autre chose? Et pourquoi la musique devient-elle cette autre chose qui se déterritorialise, pour dire comme Deleuze? Qu'est-ce qui se passe
J'en sais rien, je n'ai pas d'explication. Mais je trouve qu'il y a une partie d'imagination, mimétique et dynamique, c'est-à-dire ce que je dirais, j'appellerais ça l'observation dynamique, qui est une chose, par exemple, comme les micro-drames que l'enfant s'observe dans un combat d'insectes, dans les vitesses de l'araignée à l'affût sur sa toile, un frêle bateau de papier que l'on suit en soufflant et qui penche dans une petite flaque d'eau. Peut-être y a-t-il un exercice d'observation à mi-chemin entre la rêverie et l'analyse, l'anticipation, le constat, la mémoire, la mémorisation, qui tiendrait, qui préparerait à l'exercice des scènes temporelles, incorporer des durées, contracter les mouvements, associer les sensations, repérer les dynamismes, les vitesses, les intensités, déchiffrer l'inflexion des voix, leur groupement, leur séparation, saisir les formes et les forces dans leur martèlement, leur écoulement, leur défilement. Voilà. L'observation dynamique, c'est une scène, disons, inépuisable de petits scénarios que peut-être la musique s'approprie à un certain moment. Parce qu'il est possible de manier ces distances, il est possible d'en manier les grandeurs avec ce qui serait de l'ordre d'une fonction mobile comme ça. C'est là, mais ça dérive, ça devient autre chose. Ce que peut-être Deleuze et Guattari attribuent à la ritournelle et à son devenir musique, partant d'une accroche intensive, une aperception territorialisante, un signe qui appartient, et à son devenir musique, et à la façon dont ces scènes peuvent se rejouer par boucle, à l'endroit, à l'envers, de ces motifs que l'on traque sur un parcours, que l'on appelle en musique des développements, que l'on fait revenir par bribes, des motifs que l'on redouble en miroir, que l'on distribue en jeu plus ou moins symétrique. Des déboîtements, des brisements, des proliférations, dont on modifie les échelles, les transpositions, les traits que l'on caractérise, des figures, que l'on autonomise, des ornements, que l'on enchaîne, des lignes mélodiques, rythmiques, des fréquences que l'on associe en timbres, harmonies, des complexes que l'on transforme en morphologie, des strates que l'on superpose en textures, des vitesses que l'on module en tempi, voilà. On est parti de l'acoustique aux scènes dynamiques et peut-être à quelque chose qui est encore sous la musique, mais qui est déjà peut-être un peu ce minimum de forme et de sujet. Je dirais d'un sujet, d'une subjectivité, pour reprendre un terme de Nathalie Sarraute, le plus mince possible. Comment la façon d'être en disposition de recevoir impliquerait un minimum de sujet, mais un sujet un peu en retrait, un sujet très mince. Voilà, il semblerait que la musique, en tout cas, dresse un théâtre, une scène particulière, mentale, mobile, matérielle, et pourtant bien actuelle, comme on l'a évoqué tout à l'heure, une scène pour des événements, des signes et des figures temporelles en train d'être vécues, entendues, des formes du temps. Dans ce lien à la fois intime et ouvert, impersonnel, élaborer l'écoute est une façon de se tourner vers l'événementialité temporelle et sans doute l'inclination à entrer dans ce jeu de signes avec l'esprit, disons, d'un promeneur ou d'un arpenteur prêt à prendre des mesures, constitue déjà un site partageable et un plaisir de musicien. On peut légitimement provoquer la scène de l'écoute, avoir le dessin stratégique d'un théâtre ou d'un cinéma de l'oreille. Les inventions techniques ont révolutionné notre représentation de cela dans l'espace et dans le temps. Et nous savons désormais que le son n'est pas systématiquement attaché à sa source et que les simultanéités réelles, partageables, ne répondent plus nécessairement donc à l'unité de temps et de lieu. Elles l'excèdent et se raccordent par-delà la présence concrète et immédiate de l'événement.
il s'agit dans cette zone indiscernable de communication latente, hétérogène, de passer à une écoute émergente. C'est mon propos. Ce point de vue pluridimensionnel et mobile suppose un champ où les catégories du sonore, du musical, du bruit, de l'harmonie, du rythme, de la mélodie, du matériau acoustique, de l'audible, de l'inaudible, etc., se redéfinissent. Ce ne sont plus des catégories absolument stabilisées. Et bien sûr, pour cela, nous aurons besoin d'une écoute analytique, exercée, discernante, mais aussi de toutes les écoutes qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire une écoute flottante, une écoute émergente, ou voilà, qui vient chercher quelque chose, qui prélève, qui fait son travail. Et je pense que tout cela converge, en fait, dans l'élaboration possible d'une écoute émergente. Je souligne encore combien les révolutions des techniques électroniques en musique et de l'informatique musicale ont donné accès, de leur côté, à la totalité des rapports de fréquence, et la numérisation du son a fondamentalement renouvelé la perception, la conception du sonore et sa représentation. Grâce à une description beaucoup plus précise des composantes du son et de leur distribution, il devient possible de se situer au niveau de l'organisation sonore, composer, décomposer, recomposer les rapports, jusqu'à façonner de nouvelles concrétions ou s'intéresser à des comportements temporels qui ne se rapportent plus à des objets identifiés de la perception, c'est-à-dire ancrés. Il est donc possible de configurer des variables, des mixtes, des artefacts de l'écriture qui jouent avec la variabilité des fréquences et des composantes acoustiques. Il est possible de remonter aux conditions de l'expérience de l'écoute, à l'organisation du son, de la facture des instruments, au sens très large du terme, des instruments acoustiques, mais aussi des instruments électroniques. De l'espace dans lequel le son se donne. Tout cela en vue donc de construire de nouvelles scènes de l'écoute, de nouvelles scènes sémiotiques, parce que ça n'est plus que l'écoute du son, c'est tout ce que le son entraîne avec lui. Il est possible alors de se placer Il est alors possible, par exemple, de se placer sous l'identité de la note, au niveau des petits événements, et de jouer avec d'infimes variations, par exemple, dans les techniques instrumentales, mais aussi, pas seulement pour jouer autrement, mais pour dégager de nouvelles expressivités. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire maintenant avec ça. J'aurais voulu écouter le premier petit extrait de son. Image, mais je vais faire la description. Donc en fait, ça c'est juste un petit extrait d'un instrument qui est accordé avec des tout petits intervalles. Voilà, pas moi qui arrive pas. Donc qui est accordé avec celui-là qui est en VLC, la retournelle VLC. Et je repasse à l'image après. Parce que vous devez aller là-haut. Oui, Non, mais... Alors, il est quand j'ai compris. Ah oui. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est un exemple de la technique. Et il m'a dit d'appuyer quelque part. J'appuie sur quoi? Thank you.
avez entendu, donc en fait là c'est un instrument qui est accordé avec des tout petits sons, tout petits intervalles. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet de considérer autrement en fait la trame, on pourrait dire, comme on pourrait dire la trame d'un tissu ou la trame d'une image, d'une image. Avec plus ou moins large, plus ou moins serré. Là, on est dans une trame sonore plus serrée. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne, par exemple, naissance, ça rend perceptible des effets, des comportements acoustiques que normalement on entend peu ou pas, qu'on entend moins dans un accord, par exemple, stabilisé sur la gamme chromatique habituelle. Et donc, je me suis amusée à travailler sur ces émergences-là de petits comportements acoustiques qui ont donné un accès, par exemple, à la double vibration dans une corde. C'est-à-dire, dans une corde, on entend la note que l'on obtient en raccourcissant la corde qui devient de plus en plus aiguë. Et pourtant, de l'autre côté de la corde, il se passe quelque chose là où on a toujours empêché de vivre parce qu'on met des... sur les pianos et partout, on met des petits feutres pour empêcher que ce bout-là de la corde, on veut que ça, ou que ce ça, on ne veut pas le savoir. Et quand on est avec des réglages différents, eh bien, en fait, on se met à tout entendre un peu dans une autre définition, un autre équilibre. Et donc, on entend cet envers de la corde, qui est un petit peu comme j'appellerais l'ombre du son. On connaît le phénomène de l'ombre plutôt... dans les représentations visuelles, et alors il y a aussi les ombres du son. Et en travaillant sur cette ombre, sur cette dualité, on accède à des phénomènes sonores, voilà, qu'on définit avec non plus des notes, mais avec des gestes. Et je veux bien, excusez-moi, le A. L'autre son qui est... Oui. Ah, oui. Ah oui, ça serait mieux. Bon, en attendant, je vais avancer un peu. Donc, en fait, ça m'a amené, par exemple, à modifier beaucoup ma façon d'écrire la musique, de m'intéresser donc à cette molécularisation dont on a parlé tout à l'heure, dans la mesure où c'est plus la peine d'écrire des notes, parce que il s'agit plus de notes, il s'agit de comportements acoustiques, il s'agit de faire émerger des expressions audibles, mais aussi d'y associer un savoir-faire gestuel et puis une intention, quelque chose qui se constitue en fait en même temps qu'on le produit. C'est-à-dire produire et capter des signaux et trouver le geste qui
donne du sens, tout simplement, à ça, c'est un tout. Que c'est monté, qu'il y a des effets, que non, en fait c'est juste du geste qui a été fait en une seule prise. Il y a quatre musiciens qui jouent, mais il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de transformation électrique, électronique, d'aucune sorte. Voilà. Donc c'est comment, avec un matériau parfaitement acoustique, en fait, entrer dans des qualités sonores qui nous intéressent. Donc là, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est comment on travaille un cran plus loin, après, en incorporant une idée processuelle du geste. C'est-à-dire que, là, je ne vous ai pas montré les images, parce que vous ne les avez plus, mais donc je vais vous montrer une partition de ce qu'on vient d'entendre. Ce qu'on vient d'entendre, ce sont en fait des indications, mais très temporelles, qui donne des indications du geste à produire, du geste qu'il faut faire pour produire ces sons-là. C'est des gestes très précis, ce sont des partitions aussi précises que si on écrivait avec des notes. Hein. Ça sortira toujours la même chose. Le stade là que je tenais à vous montrer par rapport à la question de la subjectivité et aussi de certaines questions qu'on peut se poser par rapport à ce retour, cet aller-retour qu'il y a entre l'apprentissage que les machines nous ont donné et en même temps nous, avec nos instruments, comment on incorpore ces données-là, ça m'a donné l'idée de travailler sur l'instabilité et sur des gestes qui sont des gestes de modification, juste de couplage sonore, voilà, et de demander aux musiciens de construire avec le musicien la façon de trouver une façon de le porter, comme peut-être une dimension orale
non pas que l'indication est orale, mais que la manière de nous vivre, la manière de nous faire. Avec la musique, on était arrivé à un point, disons, de très grande complexité de l'écriture, qui fait que le musicien était parfois un peu débordé par l'ampleur de l'écriture, de la précision, l'exigence de l'écriture, qui est une chose qui a fait émerger des choses extraordinairement intéressantes. Mais en même temps, il faut à nouveau retrouver, je dirais, un plan existentiel qui justifie qu'on ait envie d'inventer ensemble, avec les musiciens. Voilà, si on peut écouter Déborah, dans ce qu'on a appelé un shifter de subjectivation. C'est une répétition et le son est pris par vidéo, donc il ne doit pas être excellent. Il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Bon, bah, on va passer aux choses suivantes alors. On aura d'autres moments. On va retourner au. Quand on a d'autres choses, on va retourner au. Donc en fait, je vais poser maintenant la question, non plus dans la question des différences dans les petites. Donc ça c'était l'étude des gestes sur lesquels je travaille, c'est-à-dire à partir de sonagrammes qui montrent comment les gestes provoquent en fait des choses qu'on n'entendrait pas sinon. C'est vrai que ça aide, c'est des domaines de l'analyse. Hein. Là, c'est une culture. Bon, voilà. En fait, je voudrais maintenant vous parler de l'autre côté, non plus tourné vers le moléculaire, mais tourné au contraire vers la chaîne de la propagation du son et vers des échelles hétérogènes, imbriquées, qui ne sont plus le petit, entrer dans le petit, mais qui sont faire résonner la différence vers l'extérieur. Je me suis posé la question, comment habiter un espace de façon plurielle? Comment construire la scène auditive d'un espace multiple et simultané? Et je vous parlerai donc d'une expérience qui s'est déroulée dans la Villa Savoie, qui est une villa construite par Le Corbusier dans les années 1930. Et cette construction est destinée, en fait, a priori, à une famille. Il présente une configuration resserrée comme ça de petites pièces nombreuses et de tailles multiples qui ont chacune des petites caractéristiques différentes selon qu'elles sont en bois, qu'elles sont tapissées ou non, etc. Pour nous, bien sûr, c'est important. Et en fait, ce côté alvéolaire, comme ça, on a choisi de l'habiter par... de l'habiter par tout ce que vous voyez en bleu, en fait, ce sont des dispositifs de diffusion qui sont différents selon les lieux. Certains sont des meubles qui sont mis en vibration, d'autres ce sont des expériences de multidirectionnalité. La boule là-bas, c'était, je l'appelais la boule de cristal parce qu'elle avait 12 directions qui reprenaient les points orange que vous voyez et qui sont en fait des lieux de captation. Et tout le jeu a consisté à créer une espèce de paradoxe de l'écoute pour un public qui pouvait... Non, merci, c'est bon. Je n'ajoute pas de technologie supplémentaire. Donc le jeu était de livrer un espace dans lequel il y a des musiciens à un public qui lui-même était en déplacement. Si bien que, par exemple, une chanteuse pouvait être sur le toit et le public donc se déplace et cherche son point d'écoute entre des endroits qui sont, qui reprennent ce qu'on entend, mais aussi apportent d'autres
sens, d'autres directions, ce qui fait que par exemple, paradoxalement, vous pouvez voir un musicien entrer et sentir le son, je ne sais pas, venir contradictoirement travailler en fait la question de ce qu'on voit et de ce qu'on entend et de là où on se trouve, et de provoquer ainsi une écoute mobile et qui engage une discrimination différente en fait du son. En fait, cette expérience s'est révélée très interrogeante et mêlant les sons du dehors et du dedans et les réassociant avec un logiciel qui lui permettait d'organiser le son dans toute la villa, c'est-à-dire du toit jusqu'au sous-sol. Cette villa est devenue un théâtre de son, voilà, une expérience subjectivante. Voilà. Une troisième dimension que je voulais aborder et vous communiquer aujourd'hui, c'est à l'issue de ce travail dans la Villa Savoie, où on avait mis pourquoi le haut-parleur qui nous positionne forcément de façon frontale, c'est surround, mais disons qu'il y a toujours cette question quand même de la stéréo, de la place idéale de celui qui doit avoir une position dans l'espace, alors que là on était entré dans ce qu'on appelle la multidiffusion, et plus que la multidiffusion, un espace disloqué, désimbriqué, un espace avec des choses à l'intérieur les unes des autres, et de vouloir concevoir une musicalité qui soutienne cette diversité, cette pluralité de l'espace. Ce faisant, on a mis au point des façons de diffuser le son à travers les matériaux, à travers le bois, le verre, le métal, et de pouvoir aussi s'adosser ou toucher ces surfaces de façon à recevoir le son par la conduction osseuse, qui peut être associée à l'oreille, hein, c'est pas interdit non plus, c'est pas exclusif. La voix, par exemple, est typiquement ce qui incarne cette situation, c'est-à-dire qu'on s'entend avec l'oreille, mais on s'entend aussi en partie intérieurement, ce qui fait que quand on est enregistré, par exemple, ou qu'on parle dans un micro, on peut parfois être un peu surpris du son de sa voix, parce qu'on est quand même habitué à l'entendre, je ne sais pas pour quelle proportion, mais vraiment importante en fait. Et donc voilà, ces dispositifs, on les a un peu autonomisés ensuite, et ils ont donné lieu à des présentations. Donc je vais vous montrer un petit film qui a été réalisé avec ces dispositifs, qui les explique bien. C'est un peu un film, disons, c'est un peu mieux que de communication, mais c'est quand même un film réalisé par les monuments nationaux, puisque c'était fait au Panthéon. Mais maintenant, ces dispositifs sont installés à l'Institut National des Jeunes Sourds, avec lesquels je travaille pour toute l'année, sur 75 séances. J'en ai déjà fait deux, et j'apprends énormément sur ce que c'est que écouter autrement. Donc, le mieux serait de lancer le film. Thank you.
Excusez-moi, là, vraiment... Quand on passe de mon ordinateur au sien, les fichiers ne s'appellent plus pareil, ils changent de nom. Donc, tout s'explique un peu dans le film, voilà, tout ce que j'aurais à dire. Il y a du son aussi. Alors c'est un atelier qui propose d'expérimenter le son autrement que par les oreilles, c'est-à-dire par le toucher et par les os. C'est-à-dire que nous avons été mobilisés pour aider le personnel du monument Panthéon pour accompagner justement les groupes vers les ateliers sonotactiles. Donc ça ouvre un autre espace, et je crois que c'est pour cela que l'atelier a été choisi pendant la semaine Monument pour tous, particulièrement donc ouverte aux personnes handicapées. Parce que d'abord, on se retrouve tous, malentendants ou bon entendants, bien entendant, à faire cette expérience donc du son autrement que par les oreilles. Dans la crypte du Panthéon, qui est, il faut le dire, à peu près le seul endroit dans ce monument où, disons, une intimité peut se constituer. Donc, nous avons profité de cette salle qui est très belle, très ancienne, la salle du péristyle, c'est-à-dire qui est sous les grandes colonnes de l'entrée du Panthéon. Et cette salle voûtée est devenue donc le site pour installer nos deux dispositifs. Celui des tables sonores, qui sont donc des dispositifs, je dirais, faisant appel à un matériau usuel, une table en bois, qui se met donc à chanter ou à sonner, parce qu'elle diffuse, parce que le bois diffuse et qu'on peut l'entendre normalement. Et des stations d'écoute solidienne, qui sont des objets abstraits de conduction du son, qui ont été construits pour l'occasion. Et je voulais vous dire que tous les enfants que vous voyez dans le film sont des enfants sourds profonds, de naissance. Donc le dispositif de la table, les tables sonores, a été conçu par une jeune voix et l'équipe du LAM, Laboratoire Acoustique et Musique de Jussieu, CNRS. Les stations d'écoute solidienne ont été construites par le Laboratoire d'Acoustique Musicale de l'Université du Maine, qui se trouve au Mans, ainsi que l'école d'ingénieurs, l'école supérieure d'ingénieurs du Mans, ainsi que Thomas Bonenfant pour la conception design.
on a participé à la conception des stations d'écoute solidienne, qui sont des systèmes qui permettent de faire entendre une information sonore par conduction osseuse. Pour fonctionner convenablement, le système doit répondre à un certain nombre de contraintes, en particulier le point de contact entre l'objet et l'utilisateur doit pouvoir être réglable. Ça nous a amené à concevoir en fait une sorte de culbuto, donc un élément relativement mobile qui permet cette gestion du point de contact, l'isolation vibratoire de l'élément source vis-à-vis de la base est important. En l'absence de contact, on ne doit rien percevoir, il n'y a pas d'émission aérienne du système. Mais aussi de sons faits en direct dans la salle et éventuellement faits par les participants. Des bruitements, des bruitages, mais aussi des voix qui sont donc impliquées par le biais d'une console et reconduites par le biais d'un ce qu'on nomme un transducteur. L'atelier tel qu'on le propose, un élément qui est assez déterminant, qui est l'utilisation d'une palette graphique et qui permet aux participants de se promener dans le son qu'il entend de façon solidienne et tactile et d'aller chercher en fait ce qu'il entend le mieux, de pouvoir amorcer le son ou l'interrompre et de pouvoir communiquer aux autres ce petit moment gestuel qui certes est un moment d'exploration mais qui est déjà créatif. C'est assez surprenant, c'est une découverte, il y a un étonnement. On est dans une espèce d'éveil et de d'écoute attentive, puis de découverte de ses propres sensations. Les vibrations. Tout à l'heure, ça l'a fait penser à l'orage, à la voiture, à la clé qu'on met dans le contact. Mais ça démarre pas tout de suite. Je trouve que ça montre qu'on a beaucoup de sens et qu'on les utilise vraiment de façon négligente. Et que là, ça souligne que, l'ouïe, en fait, on l'entend par les os, c'est évident. Par exemple, je trouve que les articulations sur le bois, c'était étonnant. On entend très bien par les articulations. Ouais, il y a une résonance dans la tête et ça tourne. Bien sûr, c'est très imagé. C'est coloré. Les choses s'ouvrent comme ça. C'est pour ça que c'est du bleu gris. On est un peu dans le ciel. Oui, c'est un peu une exploration. Je pense qu'on a accès, dans une certaine mesure, au monde des sourds. Parce que ça nous montre des sons qui sont comme ça très vibratoires et qui sont entendus et qui viennent presque de l'intérieur du corps. On sent les vibrations en fait sur la table. Voilà, on sent les vibrations. Et c'est vrai que ça fait du bruit, ça fait bruit, c'est ça. C'est comme le patin à glace, en fait. Comme le patin à glace, ça fait le même bruit chuchite comme ça. Non, moi j'ai vu des images très abstraites, avec des traits, des couleurs très sombres et enfin c'est très vague. Je sais pas trop, mais alors que sur la table, on sentait vraiment, c'était beaucoup plus imagé, je trouvais, parce qu'on sentait vraiment la rivière, les oiseaux, la forêt, tout ça. Je trouve que le bois, là, ça faisait penser à énormément de sensations qu'on a, par exemple, par le plancher. C'est quotidien. Je pense qu'on a affaire à beaucoup de choses de cet ordre. Donc, je trouve que ça souligne quelque chose qui peut-être passe dans la masse des autres choses, mais ça souligne des événements auxquels on a sans cesse affaire. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est
malgré tout l'espace frontière de toutes ces différences et comment on peut, pour chaque groupe aussi, essayer d'amener l'autre vers la conscience des uns et des autres. Et on a eu des ateliers très touchants dans cet ordre-là. Moi, en tant que spectateur, spectateur-auditeur, j'ai l'impression qu'il y a une sensation du son qui vient de l'intérieur. Et voilà, c'est une drôle d'impression que je ne connaissais pas. Tout est dans un flux continuel sur la Terre. Rien n'y garde une forme constante et arrêtée. Et nos affections qui s'attachent aux choses extérieures passent et changent nécessairement comme elles. Le flux et reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles, frappant sans relâche mon oreille et mes yeux. Suppléant au mouvement interne que la rêverie éteignait dans moi et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser. Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire. C'est voilà, à travers ces trois moments, trois ou quatre facettes de l'écoute, on comprend qu'en fait le point d'écoute se déplace et que c'est un point transitif et c'est sa mobilité qui est interrogeante et certainement pas définitivement représentée, quoi. Voilà, de toute façon, je pense que les questions sont la meilleure manière de, non pas de conclure, mais de s'inclure. Et d'être dans le flux de la situation. Je voudrais arrêter. Donc, je pense que...